Tes apparitions télé sont triées, mais quand tu arrives, on a l'impression qu'on a gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, tu sais faire, même. Yeah. À toi, bah, bienvenue. Merci. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est Emma Lolo, l'unité de mesure. Mais tu vas porter plusieurs casquettes aujourd'hui, oui. Notamment l'entrepreneuse. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, tout aussi, on va dire, l'écrivaine. Oui. L'écrivaine. On va y arriver dans quelques instants seulement. Mais on aura beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Pas de T'inquiète problème. Pas, faut même pas avoir peur. Même. Là, je suis on va à partir, ta disposition. Je te jure. On va partir d'abord rapidement. J'ai tellement de fiches ici. Je veux qu'on fasse un bruit aussi, s'il vous plaît, pour Malika Camara. Et puis aussi la belle Cassandra. Voilà. Elles ont préparé toutes les questions ici avec vraiment... C'est une finesse, mais laisse tomber une finesse. Pour, tu sais, des femmes, des foyers. Mais voilà. Si, si. Hein? C'est femme même. Ouais, c'est femme même. Si, si. Et justement, Emma, puisque tu es femme, il y a un message d'un monsieur aussi qui défend la chronique, qui fait toujours le buzz. Il vient ici régulièrement. Ouais. On appelle le père d'Aloi, il a un message pour toi. Non. Voilà, je te jure, regardez, le père d'Aloi. Bonjour, bonjour, oui, Live TV, Willy, bonjour mon frère. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour saluer maman Emma Louès, dit ma marraine. Emma Louès, c'est une grande femme, c'est une grande femme. Emma Louès, le père d'Aloi, il soit avec toi jusqu'à la vie. Emma Louès, je ne peux jamais te laisser, les gens n'ont qu'à tout dire. Mais j'invite tout le monde d'aller acheter le livre d'Emma Louès. Vraiment, moi-même, demain, il sera là-bas pour acheter mon livre. On doit encourager Emma Louès, c'est une femme de capable, c'est une femme qui est gentille, c'est une femme qui est belle, c'est une femme qui respecte les gens. Et moi, le père d'Aloi, il lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa vie, santé, bonheur, moins de problèmes. Emma Louès, je t'aime. Ah, il a dit, mais toujours quand on le voit, on lui dit, c'est pas Emma Louès, c'est Emma Louès. Il veut rien comprendre. Il veut rien comprendre, donc en tout cas. Bon comme ça. Je te jure. Mais on rentre de plein pied donc dans le vif du sujet, d'accord. Dans les yeux d'Emma. Qu'est-ce qui se cache dans les yeux d'Emma? Dans les yeux d'Emma, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tolérance. Mm-hmm. Voilà, je vais pas te donner plus de détails parce qu'il faille que les gens achètent le livre pour pouvoir découvrir ce qui se passe dans mes yeux. D'accord, ça marche. Voilà. En tout cas, achetez le livre. Mais je sais que Emma Lolo, en tout cas, c'est plus de 3 millions de followers sur Instagram, plus de 2 millions de followers sur Facebook, plus de 1 million de followers sur TikTok. Mais c'est surtout plus de 7 millions de followers partout. Et franchement, comment est-ce qu'on arrive à garder la tête sur les épaules quand on est autant suivi? Bon, après, je pense que c'est une question d'éducation. Oui. C'est la base dès le départ, en fait. On te fait comprendre que tu n'es pas mieux que les autres. Oui. Et que même s'il y a toutes ces strass et ces paillettes, c'est quelque chose qui peut finir du jour au lendemain, en fait. Donc, le fait d'être là, au top niveau, ne veut rien dire, en vrai. Donc, voilà. Et puis, il y a la prière aussi. Voilà, j'ai la tête sur les épaules et tout va bien. C'est clair. Il y a beaucoup de prières, en tout cas. Oui. On va repartir un peu, remonter dans le temps. C'était le 5 mars. 5 mars dernier. Oui. Hein, il y a eu donc la cérémonie de présentation et de dédicace du livre aussi. On a le quelques 4. Images. Ouais, le 4, pardon, temps pour moi. On a quelques images. Là, on regarde. Okay. Mais c'était surtout aussi un moment rempli d'émotions et de communion aussi avec tes fans. Oui, effectivement. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je sortais d'une période un peu lourde de maladie. Oui.
Et je me suis dit, quand les premiers livres sont arrivés, qu'il fallait qu'on fasse un test, si, en fait, pour voir l'engouement de My Love et tout. Ouais. Et franchement, j'ai été agréablement surprise de voir que bon, on a écoulé les livres. Ici. Et là, autant d'amour, en fait, pour quelqu'un de virtuel, c'était magnifique. C'est du virtuel, en tout cas, tu arrives facilement aussi à passer à la réalité. Oui. Je pense que c'est ce que les gens te démontrent aussi. Ils t'envoient beaucoup de cœur, notamment aussi une mémé, la mémé nationale, la mémé de tout le monde. On l'appelle Mémé Ono. Oh non. Si, on regarde un bout d'un live de Maman Ono. OK. Emma Lolo, elle va se reconnaître. Emma Lolo. Emma Lolo, je t'aime. Emma Lolo, je t'aime. Je dis Emma Lolo, je t'aime, je t'aime. Emma Lolo, je t'aime. Emma Lolo, dans le bien. Emma Lolo, dans le bien. Ma fille Emma Lolo, je t'aime aussi. Emma Lolo, je t'aime aussi. Emma Lolo, Diana Kategade. Emma Lolo, Diana Kategade. Emma Lolo, merci, merci. Emma Lolo, on est ensemble, ensemble. Maximum d'applaudissements pour Mémé Ono. Wow. Emma, merci. Emma ne me cherche plus, mais je souhaiterais avoir tes impressions. En tout cas, non. Tu es toute belle. Regarde comment tu es magnifique, tu es rayonnante, tu es splendide dans ce miroir-là. Et je te demanderai ici de regarder dans les yeux de celle qui te fait face, dans les yeux d'Emma. D'accord. Mais c'est ce qu'on va faire maintenant. Lumière, David. N'aie pas peur, l'exercice sera ô combien facile. OK. Et je suis sûr qu'au sortir de cet exercice-là, tu feras la paix avec toi-même deux fois plus, parce que je sais que tu es une personne qui a horreur de se justifier et qui peut dormir tranquille, mais qui a aussi besoin aussi de se faire entendre. Okay. Emma, nous allons entrer maintenant dans tes yeux. Quand tu te regardes là maintenant, qu'est-ce que tu vois dans tes yeux, Emma? Même si ta monture est magnifique. Je vois une femme qui cherche à réaliser ses rêves. Si, si. Une maman comblée. Ouais. Voilà. Est-ce que dans les yeux d'Emma, il y a des regrets quant à des choses qu'elle aurait aimé faire différemment? Non. 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 Tout simplement parce que j'estime que... toute chose que j'ai pu faire mal ou bien, on finit par faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Ouais. Est-ce que dans les yeux d'Emma, il y a de la fierté face au chemin qu'elle a parcouru depuis toutes ces années? Oui. Beaucoup de fierté. Il y a de la fierté. Ouais. Elle se sent à parce travers ce magnifique. Parce qu'elle sait d'où elle vient. Ouais. Au passage, très beau sourire, Emma. Merci. Est-ce que dans les yeux d'Emma, il y a parfois la peur du lendemain? Oh oui, il y a parfois la peur du lendemain parce que tout ne dépend pas que de moi. Ouais. On a un être plus puissant que nous sur notre tête qui décide de tout. Donc je peux proposer à Dieu de m'aider dans un sens et lui peut disposer autrement. Donc c'est sûr que chaque jour, on se demande est-ce que ça va se passer comme on le prévoit. Est-ce que on va les lignes tracées dans notre tête? Est-ce qu'on se demande si on va marcher dessus en fait? Oui. Mais voilà, on laisse la vie faire et on lui dit merci. C'est ça. Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a
une paix intérieure et profonde du cœur, mais surtout un immense bonheur. Oui. Oui. Il y a une paix intérieure et un immense bonheur. Oui. Waouh. Est-ce que dans les yeux de Emma, l'avenir promet encore de belles surprises? Oui. Je l'espère, franchement. Je rêve tellement grand. Il m'arrive d'avoir même peur de mes rêves, mais je me dis que sans ça, ça n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens, en fait. Oui. Donc, oui. Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a toujours un regard, ce regard affectif-là, d'une grande sœur à l'endroit de sa petite sœur, Ozoa? Ah oui. Oui. Toujours. C'est mon gros bébé, c'est ma petite sœur. Et franchement. Donc, pense qu'il y a des histoires, mais non. 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 Claire. Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a encore cette force d'entreprendre quand on sait que malheureusement, il y a cet immeuble-là avec plus de 50 millions d'investissements qui se sont écroulés? Oui. Oui, parce que malgré tout, je me dis que la vie est un éternel recommencement. Mmh. Et je ne suis pas à mon premier échec. Oui. Mais j'avoue que celui-là m'a fait un choc. Si, si. Ça a été un gros coup et je me suis demandé effectivement est-ce que j'allais pouvoir gérer ça. Oui. Mais heureusement, mon optimisme et ma foi en Dieu m'ont permis de recommencer. Et là, j'y suis encore. Je suis encore en train de tout recommencer. Donc, je suis bientôt à 10 mois de reconstruction de tout ça. Oui. Et je sais que ça va cartonner. C'est clair. Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, en tout cas, fera tout pour que sorte de terre quelque chose de plus grand. Amen. De plus grand. Et je tiens aussi à préciser, puisque je suis la voix qui sait tout et qui dit tout, je tiens à préciser que malgré cette énorme perte-là, Emma ne s'est pas séparée donc de son personnel. Au contraire, elle le maintient et elle paie son personnel régulièrement depuis tous ces mois. Franchement, Emma, que Dieu te le rende au centuple. Mais... Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a l'envie de donner un petit frère ou une petite sœur à Kobe? Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant. D'accord. Il veut un petit frère. Ouais. D'accord. Sinon, je peux aussi me faire adopter. Hein, le gros bébé. Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a une envie de fonder une famille maintenant, de se marier? Pas maintenant. Pas maintenant. Non. Oui. On a encore d'autres objectifs. Très grand. Claire. Est-ce que dans les yeux de Emma, on peut ôter juste la monture, Emma? Et est-ce que Emma peut se regarder et dire ce qu'elle n'a jamais l'habitude de se dire lorsqu'elle est elle-même devant sa glace à la maison ou lorsqu'elle parle à quelqu'un à son fort intérieur? Nous t'écoutons, Emma, nous te regardons les yeux dans les yeux d'Emma. En vrai, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire, Emma, que j'étais fière de toi. Que j'étais fière de tout ce que tu as pu traverser, de tous ces moments difficiles que personne ne voit, que personne ne comprend, mais que tu réussis bravement à surmonter grâce à la prière, grâce à la magnifique famille que tu as. Je tiens à te dire merci d'être celle que tu es devenue aujourd'hui. Continue, ça ne fait que commencer. Wow. Bravo Emma. Bravo. Merci Emma. Bravo. Et les esprits, maximum d'applause pour Emma. On va marquer une pause et la publicité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Dans les yeux d'Emma avec Emma Lolo. A tout à l'heure. Mais pas seulement. Yoplait. Merci
merci infiniment d'être avec nous. Emma Lolo est notre amie du midi. Alors, Emma, on revient encore rapidement donc, sur ce magnifique ouvrage-là, en tout cas. Alors, il est dédié d'abord pour aux enfants, et par la suite... Il est dédié à tout le monde, tout le monde, en fait. C'est ça. Oui, il est dédié à tout le monde. Moi, j'aime l'idée qu'un parent puisse lire 2-3 pages à un enfant avant qu'il s'endorme. Je le fais avec Obi et je vois que sa manière de parler, son vocabulaire et tout s'améliore, c'est important. Donc oui, un parent peut l'acheter, le lire aussi, le comprendre et le lire à son enfant. Il y a des questions même à chaque fois dans les différents chapitres que pour la compréhension de l'enfant. Si je ne m'abuse, ce sont 80 pages en tout cas. 90 pages autant pour moi, voilà, qui ont été inspirées, qui sont en majeure partie inspirées donc de ta vie. Oui. Ton vécu aussi. En fait, on a un peu mélangé pour pas que Mais ceux aussi qui. Mais sinon. Ceux qui lisent vraiment et qui rentrent en profondeur aussi vont découvrir véritablement certaines choses. Effectivement, des choses que j'ai eu à vivre aussi. Moi j'étais très heureux de voir au premier chapitre, il fait beau ce matin à Kumasi-Sikoji. Oui. Moi, je suis un enfant de Kumasi-Sikoji. Le ciel est bleu, illuminé par un doux soleil et le vent qui souffle chante avec les nuages. Sikoji est un sous-quartier de la commune de Kumasi, en République de Côte d'Ivoire. On y trouve toutes sortes de familles, des plus aisées aux plus modestes. Toutes ces familles-là s'y côtoient au quotidien dans un esprit de confraternité. Depuis des années, papa Esso Loès habite ce quartier avec ses 3 filles et son épouse. C'est un architecte de profession. Ils vivent dans une très grande maison aux allures de château. Elle est si mirobolante qu'elle suscite de l'admiration et parfois aussi de la convoitise. Là, on fait un shout-out donc à la famille. À papa, oui. C'était très important pour toi, au fait. Oui, c'était très important. Voilà, que le nom de papa figure dans le livre. Et Kumasi, c'est un peu comme le point de repère, parce que moi, je n'ai pas grandi là-bas. Si. Je sais que quand je suis née, directement, on a déménagé, on est allé à Vridi. Biétry. D'accord. Voilà, Biétry. Et du coup, en grandissant, papa, il n'arrêtait pas de nous expliquer, papa, mes frères et mes sœurs, comment était Kumasi et tout. Donc moi, dans ma petite tête, en fait, j'imaginais. Et donc, quand il fallait que j'écrive le livre, je me suis dit, on va faire un big up à cette commune qui est magnifique, que je n'ai pas vue malheureusement, mais qui est importante aux yeux de mes parents et de ma famille. Et pourquoi peut-être ne pas penser à, je sais pas moi, une dédicace, peut-être à Kumasi, ce serait pas mal aussi. Oui, on a l'intention de faire des écoles privées, publiques et tout, un peu partout, à Abidjan, à l'extérieur, à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai déjà une idée, en fait, d'école et de ville où je vais aller à l'intérieur, mais je tairai le nom. D'accord. Pour le moment, mais d'ici la semaine prochaine, je devrais être là-bas. Très bien, ça marche. En tout cas, maximum d'applause encore, s'il vous plaît, pour Emma Lolo. Emma Lolo aussi, en même temps, qui a été doublement, honoré à Houston. Oui. On en parle maintenant. Oui. C'est-à-dire, tu es rentré, tu as eu la plus grande distinction, les deux plus grandes distinctions qu'on donne à un citoyen. Oui. Une personne, en tout cas, à Houston. Franchement, je pense que ça applaudir, s'il vous plaît, Emma Lolo. Alors, comment... Notre sœur Emma se retrouve à Houston et repart avec ces deux magnifiques distinctions-là. Moi-même, j'étais choquée, il faut le dire. Ouais. On a reçu, en fait, mon staff a reçu le mail de la mairie. Mon staff des États-Unis, parce qu'il faut savoir que j'ai un staff aux États-Unis, un à Abidjan, un en Suède, un à Paris, voilà. Du coup, donc quand celui des États-Unis reçoit le mail, donc il fait part de cela aux autres membres du staff, mais on comprend pas trop en fait. Mais voilà, ils nous disent tout simplement que voilà, ils voudraient nous donner un prix ambassadeur et tout ça, citizen. Je dis mais. Donc on dit ok, donc on continue de parler avec eux. En fait, j'étais invitée même pour 2 cérémonies. La première, j'ai pas pu y aller. Et la seconde, on s'est dit bon ok, bon on va aller voir ce qui se passe. Et quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, ils ont eu les yeux sur moi vis-à-vis de tout ce que je pose comme action ou comme prix en fait. Donc ils se sont dit tout simplement, vu qu'ils étaient, je crois qu'il y avait un sommet de l'Afrique, un truc comme ça, qu'il fallait qu'ils puissent effectivement remettre une, comment dire déjà, une distinction à quelqu'un qui pense pouvoir être le lien
entre les États-Unis, Houston et l'Afrique. Et ça a été, et ça a été moi. Donc j'étais tout aussi choquée, mais contente et fière que ce que ça se passe ainsi. Fier en tout cas comme nous aussi, on l'est d'ailleurs hein, pour toi bien sûr. Toi qui as eu les talents de bronze en tout cas au FESPACO en 2011, meilleure comédienne Kouribga 2011, meilleure actrice au 20e China FA, à FA donc en Chine. Février 2019, membre du jury officiel film d'animation et série FESPACO. Est-ce que c'est pas de là qu'est partie donc cette envie-là de faire cet ouvrage-là? On n'est pas loin en tout cas de l'animation. Non. 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 Tu le miroites depuis combien d'années maintenant? Ça va faire 2 ans. 2 ans quand même. On a commencé, ça va faire 2 ans. En fait, la vérité, c'est que j'avais commencé à écrire ma biographie. D'accord. Donc, j'ai commencé à écrire ma biographie et puis j'ai l'habitude d'aller prendre mon fils à l'école. Ouais. Donc, j'arrive, à chaque fois que j'arrive à l'école, les enfants sortent. Tata Emma et tout. Mais c'est, quand je dis ils sortent quoi. Ils sont vraiment nombreux. Bon, ils m'aiment tant. Oui, oui. Au point où Kobe même se demande, mais maman, c'est qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis dit comme ça, mais les enfants m'aiment beaucoup, c'est trop mignon et c'est tellement vrai. Mais je ne voudrais pas qu'ils m'aiment juste parce que je suis mignonne ou je m'habille bien ou parce que peut-être le parent m'aime bien et tout. J'aimerais donner une raison valable à un enfant de m'aimer en fait. C'est ça. Donc il faudrait que je puisse leur faire un cadeau pour que justement au travers de ça, ils puissent... m'apporter encore plus d'amour parce que ça me fait tellement de bien. Et c'est là que j'ai mis mon projet de bio en pause. Et on a commencé à écrire dans les yeux d'Emma. Et c'était super. J'ai aimé deux fois plus ça que ma bio de toute façon. En tout cas, on voit même au travers même de tes lunettes que j'enlève tes yeux. Parce que depuis là, non mais c'est top en plus. Tu es avec ou sans lunettes, tu déchires déjà, tu vois. Et franchement, on sent tes yeux s'illuminer avec ce beau bébé là que tu nous offres aujourd'hui. Les Ivoiriens sont fiers de l'avoir, les Africains aussi sont fiers de t'avoir. Et il a été édité en tout cas par les éditions Eburni. Oui. Voilà, ça vient de Côte d'Ivoire aussi. Eburni, oui, ça a été une très très belle rencontre avec, je l'appelle ma maman, Madame Amouakon de Eburni. Je l'ai rencontrée par hasard. Ouais. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je tournais une émission avec Canal. Ouais, le Bachelor ? Non, pas le Bachelor. Ah, le Bachelor, une d'accord. autre. D'accord. Quoi, et, non, je crois qu'ils avaient fait un focus sur moi, les influenceuses, un truc comme d'accord. ça. Et on allait à Assini. Ouais. Et du coup, j'étais là, à Assini, et il y a une dame qui m'approche, qui me dit « Pense à écrire un livre. Wow. Quand tu vas y penser, fais-moi appel. » Ouais. Donc comme j'ai pas l'habitude de jeter des cartes de visite, j'ai gardé la carte de visite tranquillement. Et quand j'étais en train d'écrire, j'ai eu à consulter pas mal de maisons d'édition. Ouais. Et il y a un tilt qui est venu, je me suis dit, mais attends, j'ai rencontré une dame qui m'avait parlé de ça, donc j'ai cherché sa carte, j'ai retrouvé. Dieu merci. Et dès que j'ai contacté, elle m'a dit, ok, je vais le lire, parce qu'elle va pas non plus... mettre en vente, éditer n'importe quoi, même si c'est Emma. Ouais. Donc elle a lu, elle a apprécié, elle m'a félicité et c'est comme ça que c'est parti. Si. Wow. Et pour la petite information aussi, il faut savoir que la fillette aussi, donc sur la première de couverture, c'est moi. C'est toi. Oui. Et c'est inspiré d'une photo de toi où tu avais, je crois, si je ne m'abuse, 7 ans. 9 ans. 9 ans, d'accord. 9 ans, je faisais mon baptême. D'accord, ton baptême. Wow. Magnifique en tout cas, regardez. Elle est magnifique cette première de couverture là, franchement. Waouh. On ne va pas tout raconter en tout cas, mais rentrez si vous voulez rentrer dans les yeux de Emma que vous dites, c'est toujours joli là. Allez acheter ça. On va y revenir dans quelques instants, mais pour l'heure aussi, ça fait partie de ton actualité. Ce sera un crime de lèse-majesté que de ne pas en parler rapidement. D'accord. Donc on a conçu une petite interview qu'on a baptisée donc le Bash Papo. D'accord. Voilà. Donc tu vas devoir nous casser quelques papos ici du Bachelor. Ok. Très bien. On sait tout ça, tu étais présentatrice donc, de la première saison du Bachelor Afrique, et ça franchement, respect. Ça faisait quoi d'être la première à présenter un tel programme qui cartonne dans le monde? Ah, c'était un honneur. Moi, quand ils m'ont contacté, je me suis dit Bachelor, là. Si. Effectivement, c'était le cas parce que j'ai même été coachée par les gars de Warner. Ouais. Ils sont venus sur Abidjan, ils étaient là pendant le tournage, les gars de Canal Paris, tout le monde était là. C'était vraiment quelque chose de très sérieux, très carré. J'ai adoré. J'ai adoré revenir à la télé de cette manière. Si. Et on a adoré aussi regarder. On a découvert de magnifiques personnes là-dedans. On va y revenir, hein. T'inquiète, on est dedans toujours. Pendant la diffusion, beaucoup de rumeurs circulaient sur tes relations antérieures avec le Bachelor. Oui. Voilà, Joe Williams, à qui on fait un gros coucou. Oui. Qu'en était-il? Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Très bien. Très bien, ouais. De toute façon, on raconte toujours des trucs cinéma, mais après, qu'est-ce que ça fait? Ça passe. Aussi. Mais le truc, c'est que Joël, ouais. Joël, c'est, je l'appelle Tijo. Tijo. Excuse-moi, Joël. Son petit nom est sorti au Tijo. J'appelle Tijo parce que c'est un ami d'enfance, au point où je ne me rappelle même plus. Ça fait combien d'années? Ça fait des années, Tijo. Quand je l'ai vu même sur le tournage, j'étais agréablement surprise. Je me suis dit, on va s'éclater et tout. Je sais que les gens disaient à un moment que pourquoi je l'appelle mon chou, nanana, ça ne dérangeait absolument pas la production. Ils ont dit que de toute façon, si c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler et qu'on a l'habitude d'être aussi proches, ça ne les dérange pas parce qu'ils savent déjà qu'on se connaît. Donc je pense qu'on n'allait pas jouer un rôle juste pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc on l'a fait, les gens ont dit ce qu'il fallait, ça a augmenté notre audience et c'est ce qu'on voulait. En tout cas, on s'est régalé, forcément. Voilà. Là, forcément, vous allez remplir forcément pour une saison 2. Oui, là on tourne bientôt. Super, d'accord. Donc avis au Bacho et au Bacho. On a un bachelor qui est là-bas en tout cas. Bientôt pas ça, on tourne bientôt, donc il a qu'à s'apprêter. Ça marche, allez, on va te mettre les photos les unes après les autres. D'accord. Là déjà il y a Joe, si tu devais le définir en trois mots. Adorable, bosseur, séducteur. Séducteur, très séducteur. Très, très. Il adore ça. Au point où moi, je vois, tu es avec une petite, et puis quand il arrive, tu dis cache-toi. Allez, deuxième photo. Je l'ai dit, c'est le Bache Papo. Il y a une deuxième photo maintenant qui va venir, c'est celle donc d'une des candidates. Voilà. Nadia. Oui, Nadia. Voilà. Nadia, comment je vais la définir? Prudente. Ouais, prudente. Prudente. Ouais. Ouais. Surtout belle aussi. Oui, elle est belle. Très belle aussi. Elle est plus belle en vrai. Ouais, ouais. Qu'en photo. Troisième photo maintenant et dernière. Ça va atterrir maintenant. Voilà. Stéphanelle. Fofolle. Ouais, elle est fofolle, Stéphanelle. C'est si. Oui, elle est jolie aussi. Ouais. Mais elle est fofolle, mais elle est beaucoup émotionnelle en vrai. Ouais, très émotionnelle. Ouais. Ouais. D'accord. On va applaudir encore, s'il vous plaît, pour Emma Lolo, qui est avec nous. Emma, là maintenant, ce qu'on va faire, tout va devenir rose. Je vais te poser juste deux, trois questions. Pourquoi on appelle ça l'interview rose. T'inquiète pas. D'accord, dit, là, j'aime cette couleur. T'as dit, pourquoi il est devenu. On ne sait pas quand, on va te prendre encore. Non, toi, tu me prends quand tu veux. Allez, David, let's go, s'il te plaît. Thierry, au son. David, quand tu veux. Merci. Emma. Est-ce que les esprits sont là? Avec la chanson qui va avec. Il est dedans, ils sont beaucoup. La réalisatrice, j'ai ton plat à midi. T'as tué. Alors, Emma. Oui. Est-ce que tu es amoureuse en ce moment? Oui. Oui. Amoureuse, je dirais, de ton livre. Oui. De l'écriture. C'est aussi. Ça. Ouais. Si, si. Je vous le recommande vivement. Alors. Emma Lolo, oui. C'est quoi pour toi le surnom le plus mignon qu'on devrait attribuer à son pain, par exemple? Qu'une femme doit ou qu'un homme doit? Ouais, ouais. Une femme. Une femme? Ouais. Mon autre. Mon autre. Ouh. Ouais. Mon parce autre. Que souvent, on a tendance à penser qu'à soi. Ouais. Si, si, mon autre. Waouh, c'est bien dit. La chose impardonnable en amour, selon toi, Emma? Le manque de respect, l'infidélité. Waouh, ça, s'il n'y avait pas infidélité, t'es dans là. Bien sûr, vous regardez. Le geste qui te fait toujours craquer quand il y a une dispute. Le geste? Ouais. Ou peut-être l'action qui te fait toujours craquer, oublier tout ce qui s'est passé après une dispute. Ah non, moi, je suis un peu dure. Ouais, ouais. Ah non. Moi, ça passe. Même des bouquets de fleurs? Non. Même du chocolat? Non. Waouh. Donc, en fait, il faut que ça passe d'abord dans mon corps. Si, si. Donc, peu importe ce que tu vas envoyer, si ça passe pas dans mon corps, dans ma tête, ça ça va pas bouger. Si, si. Et enfin, le secret pour toi d'une relation solide? Communication, fidélité, respect. D'accord. Et puis, il faut que le gars soit un peu drôle après. Les gars coincés, c'est saoulant. Voilà! Soyez comme ça. Ah, il faut quand même que je... Alors, Emma, puisqu'il s'agit d'amour, oui. Moi, je tiens ici donc ton livre. Oui. Et puis, tu regardes la caméra en face de toi. Et voilà, tu dragues ton livre. Et je drague mon livre. Tu dragues. Il n'est pas sérieux. Je te jure. Dis-lui des mots gentils. Je ne t'ai même pas dragué. Des mots doux. Imagine-moi, par exemple, je suis ton bébé. OK. Donc, Willy, tu es drôle. Eh, Seigneur.
Puchu, puchu, puchu. On me dit pas ça deux fois. J'aime ta brèche. Oh! Et ton Paco, Mali. Hey! Et ce Bertie. Ouais. Ils m'ont déconcentré. Oh! On applaudit pour réparer, s'il vous plaît. Merci infiniment. Merci, David. Allez, Emma. Les bonnes choses ne durent pas. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à la sortie, donc après, avec ce magnifique ouvrage que tu nous as offert, pardon. Est-ce qu'il y a de belles choses encore derrière? On attend déjà la biographie, l'autobiographie de Emma. Mais là, non, le deuxième, la suite. D'accord. Faut que tu le lises, hein. Tu ne l'as pas encore lu. Je te promets que je le lis aujourd'hui et puis demain, je fais un résumé. D'accord. Promis. Promis. Il y a la suite, en fait, dans les yeux d'Emma. OK. Et juste après, Inch'Allah, il y aura la biographie. La bio, ouais. Mais il faut que je fasse savoir aux gens que la moitié des revenus de dans les yeux d'Emma iront à des associations qui luttent pour la cause des enfants, c'est-à-dire déscolarisés, orphelins et tout ce qui va avec, au travers de... Wow. Merci, Emma. Dieu te rende sensible. Merci infiniment. Il est disponible partout dans toute la librairie. Au prix de combien déjà? Non, faut pas faire ça. Pardon? Faut pas faire ses voix aller tomber dans les internets. En tout cas, attends d'abord. Il n'est pas encore disponible. Non. Bon, attendez un peu il d'abord. Il n'est pas encore disponible. Mais ce sera à combien? Voilà. Non, il est à 5 000 francs. 5 000 seulement. Bon. Voilà. Bon. Tu vois là, bonquet. Ah oui, 5 000. Si, si. Bon. Et okay. Mais il sera disponible très bientôt après le grand lancement qui va se faire en avril. En avril. Voilà. Inch'Allah, on y sera en tout cas. J'espère. Ouais. Et puis on t'attend encore ici. Hein. D'accord. Merci infiniment d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Emma Lolo. Merci infiniment. Je te jure. Sortez tout bas. En haut et en bas. Bye. Au revoir.